niveau des berges. Double objectif, un, faire de l'intégration paysagère et écologique. On est en train de requalifier le centre urbain, donc on ne peut pas le laisser à l'état. Il faut accompagner la nature dans ce cas-là. Donc il y avait beaucoup de renouées du Japon, 700 mètres cubes de matériaux qui ont été exportés pour éviter d'avoir une infestation. Et puis toutes les grandes terrasses qu'on a vues, qui elles ont nécessité la mise en œuvre de différentes techniques, des fascines d'hélophytes, des géotextiles biodégradables, en fonction de la situation. De là, des mesures pour pouvoir mettre en œuvre ces travaux-là. Après, il y a différents éléments techniques. On a créé des habitats, parce que ce n'est pas le tout de couper, de supprimer, de reprofiler, d'améliorer sur le plan hydraulique, mais il faut que tout ça, ça ait du sens à la fois dans le paysage, mais également pour la faune qui est présente. On est dans une zone où il y a des enjeux. On a du castor, potentiellement de la loutre, un tas d'espèces aquatiques protégées, du brochet, de la truite, le saumon qui va remonter demain, on l'espère en tout cas, sur le cours d'eau. Et donc, il faut leur créer des conditions pour qu'ils puissent s'installer et survivre. Et donc, on a câblé des arbres entiers, comme on peut voir à certains endroits. On a mis en œuvre ainsi des doubles fascines de bois mort, des fascines d'hélophytes. Les gens ont regardé les travaux, étaient curieux au départ, un peu sceptiques, nécessairement. C'était quand même des gros travaux, ça bouleversait le paysage. Et puis, depuis que c'est planté, que ça pousse, ça prend forme et les gens sont contents de voir ça. Et régulièrement, on a des mails, des coups de fil pour dire c'est sympa ce que vous avez fait, il faut que ça continue.